Bonjour à tous, c'est Flip Flop. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle série, ou alors un comeback d'une nouvelle série. Je vous expliquerai ça après. Mais sinon, on se retrouve avec Zarama, coucou à toi. Salut. Et avec Mehdi 3230, comme on le voit à peu près tout le temps. Salut. je suis très présent. Donc, oui. Ouais. Toi aussi, sur ma chaîne. Ouais, moi je suis présent sur ma chaîne déjà, c'est déjà ça. Oui, ce que je vous disais, que c'est un comeback de série, en fait c'est très simple. On a essayé une première fois, mais le problème c'est qu'on a eu quelques soucis avec un pays. Donc je vais vous expliquer ça tout au long de cette vidéo, le temps qu'on a où on veut. Mais sinon, ce serveur, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est un serveur RP PVP. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que tout simplement, il a été reproduit sur cette map, la vraie map du monde, en gros, la vraie map, voilà, c'est en gros là vous pouvez aller en Espagne, en Afrique, en France ou en Corse. Bah après il y a d'autres destinations. En Corse. Et donc le principe est d'officialiser un pays en quelque sorte et de le défendre, de l'évoluer économiquement, politiquement, de faire une architecture qui correspond, on va dire. Et niquer les autres. Et voilà. et faire la guerre. Absolument. Le problème c'est que là, c'est dommage qu'il fasse nuit. Donc nous, on a décidé d'aller en Afrique. Je vais vous expliquer Il a décidé d'aller en Afrique. Donc on va aller peut-être au Congo, c'est en haut le Congo, on est d'accord? On va essayer d'aller en bas. Non, le Congo c'est vers Melumil. Ouais, ouais, non, oh. C'est quand ça. Là vous voyez dans mon under chest plein de choses. Non mais toi tu vois pas. Mais... Parce que bah justement les problèmes, mais on a quand même du stuff un peu. Donc, ready to Afrique. Vas-y, Mehdi, tu es le guide, parce que moi, franchement... Oui. Mais je connais pas la carte de l'Afrique. Si, tu y allais une fois, moi, je te rappelle, tu partais en France. Déjà, je partais vraiment loin, je partais de l'autre côté. Vas-y. Il saute. Le supplice de la planche. Ouf. Donc là, il y a de l'eau, donc là, on tombe dans la mer Méditerranée. Oh, il y a un mec, attends, j'ai envie de le tuer. On s'en fout, mais tu peux pas, c'est le spawn protection. Oh, fuck. Quelqu'un veut un bateau en spawnant? J'ai eu 3 bateaux. Ah ouais, bah ah vas-y, ouais. Pose-le. Ah non, pas, il pose-le pas tout de suite, ça va. Ah oui, terminer. Non, mais ça les fait pas bugger, mais voilà. Ça les fait des bugs. Donc c'est alors, par là. Bien, en attendant, je vais vous expliquer quelque chose. Donc le problème qu'il y a eu sur la première fois qu'on a tenté de faire une série là-dessus. Donc le problème était très simple. Donc on est parti, on partait pour aller en Nouvelle-Zélande, pour pouvoir officialiser la Nouvelle-Zélande. Donc au début, on savait pas qu'il fallait être 6 pour officialiser un pays. Du coup, on s'est dit, on va farm tranquillement à 2. Et le problème qu'il y a eu, c'est que l'Australie, donc le continent juste à côté, le pays juste à côté, a été officialisé. Ils étaient, là ils étaient 4 connectés, je me rappelle. Donc il a été officialisé, et donc du coup, à force d'avoir évolué, donc on a créé notre portail du Nether, etc. Et donc moi je suis allé dans le Nether, parce que quand Mehdi était pas présent, j'y suis allé tout seul. Et le problème qu'il y a eu, c'est que quand j'y suis allé, j'ai fait spawn donc un portail du Nether dans le Nether, et les Australiens ont dû trouver ce portail. Ils y sont entrés et ils ont marqué un panneau bonjour, ici Australie, ou une connerie comme ça, je sais plus. Et du coup, moi je me suis dit ça va pas parce que notre pays devait être indépendant, on a pour but de fermer les frontières, quoi. Il n'y a pas moyen qu'ils viennent, du moins pas à ce stade. Heureusement, ils nous ont rien volé, mais j'y suis retourné dans le Nether et ces petits. Personnage australien était en train de créer un système de rails qui rejoignait leur portail au nôtre. Donc ça je trouve un petit peu ça con. Du coup j'ai eu un gros coup de bol, il y avait un mec, ou un gros coup de bol je sais pas trop, il y avait un mec qui était en train de poser des rails à ce moment là, du coup je l'ai tué sans aucune pitié, parce que de toute façon il m'aurait tué, je pense qu'il m'aurait tué. Du coup je l'ai tué. Et ensuite j'ai voulu rentrer chez moi donc par le portail, et je suis arrivé chez les Australiens, je suis passé donc par le portail des Australiens. Donc c'est un truc complètement what the fuck. Donc je suis arrivé là-bas, donc je me suis dit je vais faire demi-tour, je vais essayer de rentrer, mais en fait les portails étaient liés. Ça je m'en rappelais plus en fait. Et du coup, je me suis fait courser dans l'océan Pacifique et ils m'ont tué. Donc tu es sympa, voilà. Sager clandestin quoi. Voilà, 32 level, full P1, épée knockback 1 en diable. Donc ça c'était pas trop des masses, donc ça m'a bien fait chier. Et ben on est arrivé en Afrique. Enfin je crois. En Afrique là? Bah oui. C'est un gros désert, alors je suppose que c'est... Du coup, on a dit, on va se refaire un petit comeback, un petit retour, voilà, et on va se venger des Australiens. Donc faut pas leur dire, mais je pense pas qu'ils regardent de toute façon. on a une petite déclaration de guerre qui va arriver envers l'Australie, et on va essayer d'aller leur péter la gueule, et de faire péter un petit peu toute leur baraque et leur voler 2-3 trucs. Donc c'est notre premier objectif de fight. Sinon, niveau économique, on va essayer de trouver 3 autres personnes, 3 autres abonnés, je pense, qui nous rejoindront.
sur ce serveur, et du coup on pourra officialiser notre pays et avoir un setup. Puisque car il faut savoir que quand ils m'ont tué, je suis retombé au spawn. Du coup, si vous voulez savoir, Afrique, Nouvelle-Zélande, c'est pas trop la destination la plus courte qu'il puisse avoir serveur. Environ 5000 blocs. Du coup, j'ai attendu que Mehdi se reconnecte. Du coup, on fait un comeback maintenant. Voilà. Et le pire, C'est c'est le qu'il m'avait dit que c'était en 7000, les coordonnées c'était 7000, 2700, sauf que à 7000, 1500, c'était la fin du monde. Donc, en gros, pendant 1 heure et demie, j'ai dû marcher pour aller jusqu'en 7000 et ensuite revenir en 5000. Donc, j'avais les boules. Mais c'est bon, ça va. Par contre, les déserts, Vas-y, faites-vous l'immeuble, faites-vous. Non, tu mourrez pas, hein. Alors ça, s'il y en a qui meurt. Donc voilà, c'était la petite histoire du serveur. Ah, il y a un âne, les gars. J'espère qu'il est safe. Mais il a des trucs. Oh bordel, je dis, faut pas mourir, mais. Oui. On va essayer de survivre quand même. Parce que... Donc là, Aidez-moi là. on est en train de farm XP comme des. On essaie Aidez-moi, de. mec. Voilà, merci. Recule au pire. Ça Il peut va être m'avoir, malin d'y aller. Thunderman, hein. Aidez-moi! Il reste Y 3 a le coeurs. PVP. Il me reste 2 coeurs, hein, les mecs. Il est sur toi, il est sur toi! Derrière toi, attends, je me charge. C'est bon! Ah, je l'avais Ou fait alors tous les voilà, notre dégâts. premier défi, déjà de tuer les mobs. Oh putain, T'inquiète, mais j'ai sinon, smite. n'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas, Si, attends, moi je vais. J'ai smite 4, knockback 2, unbreaking 3. Et du coup, on est où là en fait? En Afrique. Il m'a fait flipper ce connard. Oui, Oh! mais on est Y'a dans un Mass pays Scobble, attends, particulier je ou crois. quoi? J'en sais rien. Y'a Mass Scobble dans l'âne. Dans l'âne. Quelqu'un a une pioche? Ouais. Moi, oui. Bon, oui, on avait. Donc, Oh! du coup, c'est pour ça, c'est 4 de là. diamants. Attends. C'est de là que vient le fait que nous avons déjà du stuff, car Mehdi a spawn donc du coup où on était et on se déplace tout simplement pour aller. Prenez les pioches et tout, hein, la game powder. Pour aller en Afrique. Getcha. Donc il faut savoir que cette série sera pas faite forcément en système d'épisode. Je vais essayer de vous le faire en condensé parce que c'est vrai qu'il y a des moments qui vont être chiants comme minage. Les Ça risque amis, d'être vachement vous chiant. avez vu les panneaux? Des C'est coordonnées, quoi? ça pourrait être. Non, on Oh, va déjà se. on C'est pas s'entraide. l'objectif, c'est le. Vas-y, viens, on lui Voilà. casse tout. C'est les Australiens. Prenez T'inquiète. les coffres comme ça au moins, non? Ben, moi j'ai Oh, de quoi attendez! faire petit. Quelqu'un a une laisse? Non, moi j'ai rien. J'ai eu 4 diams dans l'histoire en plus. Ouais, Cool. bah puis voilà. Ça va On va servir. essayer de se faire une arrivée. Et déjà, j'en ai Un 25 dans mon retour. under chest. Bon, du coup, forcément, vu que vous Il est là! connaissez, j'ai dû faire Il est pareil là! moi. Oh, bâtard. Qui est le Tue-le! mec? Bah oui! D'accord, on va le tuer. Donc voilà, ça commence bien, ça commence déjà. Dès le premier épisode, on a déjà un vieux Kevin là, en full de fer. Un Kevin en full fer? Waouh! J'ai jamais vu Vous ça. êtes fort? Celui que j'ai tué, il était full cœur. Hein. Il fait mal! J'avoue. Je suis dans la merde. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi! J'ai plus qu'un. Voilà. Vas-y, tue-le. Genre, avec mon knockback, ça lui a fait trop mal. Enfin, ça lui a fait partir trop loin. Axel, tu saurais revenir ou pas? Ça va, il est pas loin. Ah ouais, je saurais revenir, t'inquiète. Je saurais pas Allez. On est en train de le courser à mort. Putain, il m'a défoncé cet enculé. Je me suis fait défoncer. Mais il était un peu épais en diamant, quoi. Oh la salope. C'est moi, on est arrivé aux limites de l'Afrique. Non, pas possible. Bon, laisse-le, laisse-le. Bah. Les limites sur la largeur, je pense. Mais non, fallait le tuer, il m'a J'ai droppé. crevé, moi, après. Par contre, il a un arc, mec. Oui, c'est bon, moi aussi, mais bon, ça fait mal. Bon, viens, on lui a piqué ses diamants et tout, on se casse, vas-y. Et du coup, c'est le Congo. J'en sais rien du tout. Congo. On va sortir Sinon, on va en le Centrafrique. Ou au Rwanda, je sais pas. Non, faut qu'on aille à Toki. Deuxième génocide rwandais. Il faut savoir aussi qu'il y a une dynmap du coup sur le site du Ouais, mais serveur. elle est pas à jour. Et j'ai oublié de donner le nom du serveur qui est Nation Glory. Tu me suis, Arma? Vas-y, bouge. Bah, de loin, oui. Attends, je vais Elle faire est pas péter trop sa loin. base. Bah, au pire, allez-y, puis vous me donnerez Attends, coordonnées. je me bouge Coordonnées. un peu. Surveille derrière, hein. Ça a déjà bien commencé le PVP. Y'a un Kevin qui me suit, c'est dangereux.
Mais fais gaffe. Zarama, tiens. Non, il est pas stuff, t'inquiète. Prends les arcs là. Il y en a deux. Ah merde, j'ai pas accès au TPA, t'es passé à rien. Par contre, j'ai pas de flèche. Bah, j'en... Ah si, j'en ai 6. Je vais sous l'eau vite fait. FTPA. Attends, je vais. Je peux les assembler les deux arcs. Waouh, 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 waouh. Il me tue derrière, ce bâtard. Bon bah, je suis mort. Bon, je vais essayer de revenir. Bah, moi, je me casse. Il est trop bon, ce Kevin. J'ai en fait pire, péter sa base par ça contre. Ça commence plutôt mal. On pourtant, oh, attends. Je sais pas, je suis enchanté tout, mais il me faisait trop mal. Je me casse, hein, vraiment, je me casse. Ça. C'est son lag, c'est parce qu'il laguait, c'est pour ça. Il y a un autre mec full fer là qui. Ouais. Putain, mais il veut. Il a quoi contre moi le. Parce qu'il était belle, mais je suis pinette. Il s'appelle Valentin Vin. Par contre, j'ai volé ses 4 diams, donc et j'ai fait péter sa base avec ses TNT et sa redstone. Tout ça va. C'est bien. Putain, s'il était. Ça aurait été mieux qu'il soit pas. Il va spotter le full fer. Sous l'eau. Courez pour vos vies. Je sais pas où est l'Afrique. Mais il a quoi? Mais je veux rien faire, moi. Paix. L'Afrique avait des panneaux au spawn, tu sais. En peau ou pas peau. Bon, bien sûr, c'est pas exactement la carte du monde. Regardez, genre là, il y a des pays que c'est juste un désert. Donc voilà, mais. Bonjour, man. Ça, c'est. Ah, c'est bon, il se casse. Tu vas me. Il va et le full fer, il est toujours là-bas Je sais pas. J'en sais rien, parce que je crois que. C'est... Je sais pas si c'est lui qui m'avait tué de derrière. Mais... Autant c'était ma TNT qui t'a fait péter, non? Regarde non, dans le chat. Je suis mort par Dom. Non mais la flemme pense. Attends, je suis en train de nager. Ah, j'arrive vers l'Afrique. Je suis pas sûr que ce soit l'Afrique. Merde. T'as récupéré mon stuff, Mehdi, du coup? Non, je suis parti en courant. Parce que je savais pas où t'étais en fait. J'ai pas vu le mec et j'ai pas envie qu'il me prenne mon stuff quand même. Parce que moi, c'est le stuff de la base d'avant, donc il est enchanté. Même si un petit peu juste projectile, oh, ça va quand même. Et quand même, j'avais une bonne épée. Donc, Moi, je vais me faire un petit bateau et tu prends. Là, je suis en moins 824, moins 540. Attends. Tu me les donneras après, j'ai pas. Oui, fait... non, mais oui. Je pense qu'il faudra attendre qu'on se rejoigne. Et après, on commencera vraiment l'épisode, peut-être. Bah là, je suis. Tu sais, Axel, là-haut. Un petit. Petit retour à tout à l'heure. À tout. Hein. Et donc tout le monde. Donc voilà. Donc là, on est sur l'océan Indien et on est en direction de l'Afrique du Sud. Et il y a juste Zarama qui peine à nous rejoindre. Ça veut dire c'était la nuit. C'est vrai. T'as pris des cannes à sucre, Mehdi, ou pas? Ouais, dans l'under chest. Parce qu'au pire, il y en a. T'en as combien? Ah, d'under chest. Deux stacks. Ok, vas-y. Enfin, peut-être pas, t'as peut-être dû y garder, je sais pas. Bah non, au pire. Bah non, j'allais pas prendre le risque. D'ailleurs, j'ai déjà 4 diamants sur moi grâce au mec qui vous a tué. Mais bon, on a récupéré. Ah oui, c'est vrai. Je croyais qu'on avait filmé ça. Oui, donc en fait, on est tombé sur un mec, on est tombé sur une base. Et le mec s'est connecté. Il m'a défoncé la gueule. Je sais pas comment il m'a tué. Parce mais que le sait, je crois ils l'ont j'étais vu. Aussi stuff que lui. Non, il avait une épée en diam. Si, ils l'ont vu. Vous l'avez vu? Bah oui. Vous direz ça dans les commentaires. Ouais, même si vous l'avez vu, en tout cas, je vous rappelle le résumé de ce qui s'est passé. Voilà, on est tous morts, tout ça, tout ça. Ah, pas moi. Que Mehdi qui est resté en. Parce que j'ai fui. Et j'ai pété sa base avec j'ai pété sa base avec CTNT. Voilà. Ouais. Ça, c'est bien ça. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment crafter des TNT pour aller conquérir cette Australie. Oui, parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'on a la permission, une fois qu'on a créé notre pays, on obtient donc le plugin faction, parce qu'il y a un plugin faction dessus, on obtient les permissions de claim, et donc du coup on peut claim tout, bah, comme sur un serveur PvP, on peut claim où on a envie, quoi. Par exemple, on va claim si on claim au bon endroit chez les Australiens, leur set home il va être delayed, et du coup ils vont spawner au spawn. La base virale VPS a été mise à jour. A été mise à jour. Énorme, énorme. J'ai des gros lags, donc moi je fais une ellipse.
Et donc, re tout le monde, et nous sommes enfin arrivés à destination. Donc, par là-bas, c'est l'océan Pacifique. Non, non, glacial arctique. Ouais, là-bas, c'est le glacier arctique. Par là-bas, c'est l'Australie et où on était, la Nouvelle-Zélande. Et ici, où on est là, pas que sur ce bloc-là, mais ça sera l'Afrique du Sud, donc notre pays. Donc, ce qu'on a pensé, parce que moi, personnellement, j'ai pensé, c'est qu'on vire 2-3 arbres et qu'on puisse commencer nos bâtiments par là. Mais première chose à faire, non, mais commence pas. Première chose à faire, c'est miner et puis se créer une base sous terre. Non, mais comme d'hab. Un peu de bois pour. Et ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est que je vous fasse un condensé des moments importants. Donc, par exemple, ce que je vous propose, c'est que jusqu'ici, je termine le premier épisode, je sais pas combien ça va durer, et je vous reprends au cas où il y a quelque chose de spécial, par exemple, quand on trouve du diamant, quand on trouve tout ça, tout ça. Et sinon, je vous recontacterai à chaque fois que on trouvera une nouvelle personne qui pourra rejoindre l'Afrique du Sud. Voilà. Ouais. Et le nom de pays, ça vous va, Afrique du Sud, seulement ? Ben, on est en Afrique du Sud. C'est à peu près logique, en plus, il fait chaud. Ouais, pourquoi pas la flip flopani? Non, c'est on n'a pas le droit de donner. C'est RP, noms. RP. Merde. Donc, on se reprend une fois qu'on a aménagé peut-être l'intérieur de notre petite base souterraine. Et que je serai arrivé. Ouais, aussi. Non, non, on s'en fout. Je suis parti juste allez. À l'opposé, tu sais. Allez. C'est, en plus, c'est ça. Allez, à tout de suite. À Gouguni, on aime les bonnes et re-tout le monde. Donc, on se retrouve avec un accent un peu typo africain, j'y sais pas où faire. Mais faut dire on est dessous d'un. Et donc, on a réussi enfin à officialiser notre pays au bout de. Il est 18h34, nous avons commencé environ à 14h, donc on a mis environ 3h à faire tout un bordel et enfin officialiser notre pays. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que. Musique de la victoire! Non, mais toi, t'entends pas. Façon, il va avoir une musique de fond, donc c'est malin. C'est bon, je reviens. Donc, du coup, on est arrivé où on voulait. Donc, là, il y a l'océan, comme je vous l'ai dit juste avant. J'ai réussi à revenir. T'es bien. GG. Ouais, il est arrivé donc, on a un cétome, il est par là. Donc, pour le moment, on n'a qu'un claim. Pour ceux qui connaissent un petit peu Faction. Mais on va grandir, vous inquiétez pas, il va avoir un village, une ville, tout ça. On a prévu de faire un QG central, tout ça, des pièges. Ça va être sympa. Mais le seul truc qui va faire chier. Ouais, voilà, c'est la forêt qui va faire chier. Donc, du coup, on va s'arrêter là pour le premier épisode. Si ça vous va. Ouais. Parce qu'il y aurait eu beaucoup de retournements dès le premier épisode, on en aura chier. Au moins, vous aurez vu. Et vous pourrez revoir cet épisode quand on sera peut-être au 40e épisode où là on sera vachement stuffé. Peut-être qu'on a déjà, on aura peut-être déjà recommencé. Qui sait, on sera peut-être fait coloniser. Si on a la force d'aller jusqu'au 40e épisode. Bah tu sais, ça va rapide, hein, c'est rapide. Il y en a qui vont peut-être durer 2 minutes, on verra bien. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce serveur et à me rejoindre sur en Afrique du Sud. Et si vous voulez me rejoindre, dans le chat, vous m'envoyez un MP. Vous mettez, je suis un abonné machin. Et je voudrais vous rejoindre. Et alors là, je vous ajoute sur Skype et on joue ensemble. Et puis, voilà. Faudra juste pas que vous fassiez ce qu'on dit, mais on verra bien. Et donc, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne de Mehdi330 alias KiwiJoy. Dans la description, j'espère. On va voir. Je sais pas. Et aussi la chaîne de Zaraba, car il en a également une avec un de ses amis. Bonjour à toi et bonsoir. Aussi. Alors, le jukebox, je peux le mettre là, attends. Ouais. Et donc, on se dit à la prochaine pour le deuxième épisode de. Attends, je viens d'enchanter une épée. Je viens d'enchanter une épée. Elle l'a. Smite 4, Unbreaking 3, Looting 2, Fire Aspect 2. Oh, Looting 2, parfait. Fire Aspect 2 oh, magnifique, donc on finit sur une bonne nouvelle. Bon, à part le Smite 4. Hein, mais bon. Ouais, bah ça aurait bien aimé un Sharpness. Mais bon. On se dit à la prochaine. Je pense qu'on va farm entre ces deux épisodes. On vous dira à chaque fois ce qu'il y a eu de nouveau. Hein. Mais je vais essayer de filmer à chaque fois qu'on va faire des colonisations de PVP. Donc dans le prochain épisode, je vous explique le but de notre pays et les objectifs qu'on va avoir en premier. Donc on se dit à la prochaine et mangez surtout des bananes. Au revoir. Ciao. J'aime bien finir sur un truc. Manger sur...